Maman, réveille-toi, il est 7h30. Laissez-moi dormir. Avant de te laisser dormir, dis-nous qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. On fait ce qu'on a l'habitude de faire, voyons. Ok, je propose que Justine aille au café. Moi, je reste faire la cuisine, puis le ménage. Ensuite, je fais une vidéo. Voilà. Toi, à la cuisine. Ah, maman. Oh, nous donne d'argent que bon, vous attendez quoi? Passons à l'acte. Non, reste là, maman. Tu n'as pas compris. Reste couché. Apparemment, tu ne comprends pas. On a dit qu'aujourd'hui, c'est ta journée. Tu te reposes au maximum. Tu nous laisses. On va tout faire. Hein. On te sert à table. Tu viens manger. Si tu veux même le repas, te trouve dans ton lit. Mm-hmm. Ok. C'est ta journée. Merci. Merci, mes enfants. Écoutez, j'ai tout sommeil. Oh, maman. On te laisse bien te reposer, ok? À tout à l'heure. Ataman n'est toujours pas revenu. Comme tu le constates, non. Michel, crois-moi, en ce moment je suis très inquiet parce que je ne sais pas ce qu'elle me jette dans sa tête. Grand frère, il m'arrive parfois de me poser la question si Akamba et nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Tu t'en rends compte? Depuis hier qu'elle est sortie jusqu'à présent, elle n'est toujours pas rentrée. Elle ne fait pas signe de vie. On appelle le genre ce que quoi. Vraiment, quand je réfléchis sur cette histoire de bien, Michel, j'ai peur. Notre frère a laissé des enfants. Et à la lui ici, tu penses que s'il se réveillait aujourd'hui, en voyant tout ce qui se passe là, il serait fier de nous? C'est ton problème là-bas. Moi, je ne gère pas ça. C'était notre frère. Et il avait aussi le même sang qui coulait dans nos veines. Ça coulait dans ses veines. Donc, ça veut dire que les biens qu'il a laissés là, ça nous appartient aussi. Il est hors de question qu'on laisse cette maman Choco bénéficier de ses biens toute seule. Moi, je ne peux pas accepter ça. Et Michel, n'avons-nous pas beaucoup bénéficié de son vivant? Toi aussi. En tout cas, on se prend le soir. Ok, bonne journée. Pourquoi on va fermer tôt aujourd'hui? Je dois passer par l'école régler ma pension. Ensuite, j'ai des choses à faire à la maison avec ma soeur. Finita! On dirait que tu es surprise de l'entendre. Vous n'avez jamais fait ce genre de choses ensemble. C'est pour qui? Tic-tic. Non, ça n'a rien à voir avec TikTok. Ce sont des histoires de famille. Je t'expliquerai une fois que je serai de retour. En attendant, dépêchons-nous. Le temps ne joue pas en notre faveur. Ok. Déjà triste de savoir qu'on va se séparer demain après la remise de nos diplômes. Tu n'as pas à être triste, Rosine. Tu sais que tu es la seule qui m'a soutenue dans cette maison. Tu connais où me trouver. Et moi de même. Donc on pourra se voir quand on veut. Ok. Et qu'est-ce que tu as prévu faire après la remise des diplômes? Roger a prévu m'organiser une petite fête à l'occasion. Je suis impatient d'être à ce jour-là.
ma petite soeur, mon oncle, y compris mon amoureux, ils y seront là. Et moi qui pensais que j'allais me retrouver toute seule, c'est la vie. Elle va lire. Tu es chanceuse, ma chérie. Maman, lequel préfères-tu? Le blanc. Moi aussi, je l'adore. Ok. Sunita. Oui, maman. Ta sœur et toi, vous me cachez quoi? Sois patiente, maman. Ok. Sois juste patiente. Non, non. Tu peux entrer. Un démon. Surprise. Hey. Maman, si tu es heureuse, nous le sommes aussi. Oh, merci, ma chérie. Merci, mon cou, merci. Je suis contente. Oh, je t'aime beaucoup, ma fille, je t'aime. Je t'aime, je t'aime beaucoup. Je suis heureuse avec vous. It looks like you lost another one.